Phoenix, c'est une entreprise qui opère depuis 5 ans dans le domaine de la revalorisation des déchets et des invendus. Notre métier historique, c'est l'organisation du don aux associations. Et entre-temps, on a créé toute une myriade de solutions pour arriver vraiment au zéro déchet chez nos clients, qui sont historiquement plutôt les clients en grande distribution. Donc notamment des solutions de gestion des déchets et une solution d'application mobile de revente des invendus en date courte. Bosser chez Phoenix, c'est pas du tout un bullshit job parce que déjà tu vois l'impact de ton travail au quotidien dans les équipes qui gèrent le don aux associations. On est en relation directe tous les jours avec les assos qu'on aide. On voit exactement l'impact de ce qu'on a donné. On est capable de calculer combien de repas on a donné et à combien de personnes on a pu rendre service. Donc c'est hyper gratifiant, agréable et motivant au quotidien. Toutes les équipes sont engagées pour le même but, mais sans avoir du tout l'aspect donneur de leçons auquel on pourrait s'attendre dans l'entrepreneuriat social. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'échange et le partage sont au quotidien. Les végétariens ne vont pas engueuler les non-végétariens chez Phoenix. C'est vraiment cool. Une candidate ou un candidat idéal chez Phoenix, c'est quelqu'un qui se sent concerné par ce qu'on fait et qui a envie d'avoir un impact, mais surtout qui est capable de toucher à tout et d'être flexible au niveau du quotidien. Parce qu'on est une grosse boîte maintenant, on est 120, mais en fait, on est quand même une start-up. Et tous les jours, on construit chacun notre boulot, en fait. On a une fiche de poste, mais la fiche de poste, elle est assez symbolique. Et la réalité, c'est souvent assez loin de ça. Et surtout, tu peux toi-même apporter ta pierre à l'édifice et proposer plein de choses au quotidien. C'est vraiment hyper agréable.